Tu as travaillé sur l'image de qui? Mariam Timbiri. Ah, d'accord. Donc, le tableau, pour vous montrer. Ah, c'est ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, voilà le texte que ça lui a inspiré, un poème. Donc, elle a préféré un poème. Et elle dit la paix. Elle appelle à l'aide. Elle rejette sa solitude. Elle invite la dignité, la vertu, la cohésion. Mais un doute et un manque de courage la préoccupent. Elle espère quitter sa peur, sa tristesse, son obscurité pour une vie meilleure. Elle doit bénéficier de sa noblesse et de sa place. Car, qui dit place de dignité et victoire, et qui veut liberté, veut espoir et motivation. Pourquoi vouloir la paix? Car c'est un avant-goût du paradis. Et tout le monde aime le paradis. Et paradis est synonyme du paradis. De paix. De paix. Bon, voilà, donc il y a des erreurs. De paix qui connaît l'enfer, qui l'a déjà goûté, car l'enfer, c'est guerre. Et personne ne souhaite l'enfer. Qui veut paix, qui l'a déjà savouré, et tout le monde aime la paix. Et parle de paix, parle de paradis, qui dispose de la paix, ou qui est déjà membre du paradis. C'est un mystère qui reste irrésolu, qui veut dire qu'être en deuil, mourir, souffrir, fait plaisir. Jalousie font leur possible pour être des opposés. Sa vertu, son silence, sa pureté, son innocence font d'elle une principale cible. Voilà le texte qu'elle a commencé à écrire sur votre tableau. Merci beaucoup. J'avais des rêves, des ambitions. Je vivais bien. Ma vie était pleine de joie. D'abord, elle a présenté l'image, c'est une image qui présente une fille assise qui a la main sur la joue, qui montre un signe de désespoir et de pensée lointaine. C'est cette image qu'elle a choisie et c'est sur ça qu'elle écrit ce poème. Petite, j'avais des rêves, des ambitions, je vivais bien. Ma vie était pleine de joie, j'étais courageuse et surtout remplie d'esprit. Car dans le monde où je vivais était serein, le ciel avait une couleur bleue et se reflétait dans la mer. Les fleuves, les rivières, les herbes étaient vertes, les arbres aussi l'étaient. Dans sa splendeur, inspirée par une très bonne entente entre nous, ils eurent les plus beaux mariages et baptêmes. Mais là où il y a le bonheur, le malheur vient nous mettre toujours son grain de sable. Petit à petit, je le sens venir, elle approche à grands pas. Oui, la guerre, la tristesse, elle était là, juste là, à la porte, avec son sable. Je regarde le ciel pour la dernière fois avec. Qui suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Continuerons-nous à nous faire mal? Quand sortirons-nous de nos cachettes? Quand est-ce que ce visage triste va arrêter d'être nos sourires? Ces fleuves de larmes arrêteront d'être nourris? Je pense que nos cauchemars s'arrêteront quand ceux du marchand d'armes vont commencer. Et là, c'est un test en devenir. Hein. C'est un test puisque c'est 4 semaines, on est seulement, on a fait une semaine seulement, c'est dès la première semaine, c'est écrit aujourd'hui.